À la demande des Émirats arabes unis, le Conseil de sécurité des Nations unies va se réunir ce vendredi pour évoquer l'escalade de violence en Cisjordanie, mais également en Israël, suite à l'attentat qui a eu lieu ce mardi à Tel Aviv. L'Union européenne se dit profondément préoccupée et demande aux deux parties de mettre fin à ce cercle vicieux de violence. À Jenin, une opération militaire israélienne contre des militants impliquant les frappes aériennes les plus importantes sur la ville depuis des décennies a fait au moins 10 morts palestiniens et des dizaines de blessés. L'Union européenne exhorte toutes les parties à désamorcer la situation. La situation durable ne peut être atteinte que par une solution politique au conflit qui permette aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre dans la paix, la dignité et la prospérité. Il est crucial que les deux parties s'engagent de manière significative et de bonne foi pour ouvrir un horizon politique vers le règlement pacifique du conflit. L'Union européenne est prête à soutenir ces efforts. Lors d'une réunion parlementaire, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a lui aussi condamné l'attentat de Tel Aviv, mais a également appelé l'armée de défense d'Israël à la retenue et à la protection des civils en Cisjordanie. Bien sûr, nous soutenons le droit d'Israël à l'autodéfense et avons condamné les récents attentats terroristes. Nous dirions que la protection des civils doit être une priorité dans toute opération militaire et nous exhortons les forces de défense israéliennes à faire preuve de retenue dans ces opérations et à toutes les parties d'éviter une nouvelle escalade en Cisjordanie et à Gaza, maintenant et dans les jours à venir. L'ONU appelle également Israël à garantir un accès rapide aux soins médicaux pour toutes les personnes blessées. Les agences d'aide de l'ONU ont exprimé leurs inquiétudes face aux restrictions à l'accès médical mises en place par les forces israéliennes. Dans le même temps, des représentants des pays membres de la Ligue arabe ont tenu une réunion d'urgence au Caire, axée sur l'opération d'envergure de l'armée israélienne dans la région de Jenin. L'Égypte condamne fermement l'attaque des forces israéliennes contre Jenin et leurs activités criminelles en Cisjordanie et dans les territoires occupés. Il s'agit d'un usage excessif et aveugle de la force et d'une nouvelle violation du droit international et humanitaire. L'armée israélienne a mis fin à son opération à Jenin, sa plus vaste attaque depuis la seconde intifada au début des années 2000. Une opération qui a fait plus d'une dizaine de morts et révélé l'isolement de certains groupes armés palestiniens.